Les plus beaux souvenirs chez Nutrinor, c'est vraiment quand on a fait les acquisitions depuis 2009, depuis une dizaine d'années. En général, les gens nous applaudissent parce qu'ils sont contents que ce soit Nutrinor, probablement qu'ils savent que c'est quoi les valeurs différentes qu'on a. Puis ça, bien, c'est de voir la fierté des gens quand on arrive et on annonce qu'on a fait l'acquisition de cette entreprise-là. Ils savent qu'on va garder les emplois, ils savent qu'on va développer l'entreprise qu'on acquiert. Puis ça, bien, c'est vraiment les plus beaux souvenirs de voir les yeux des employés quand on leur annonce les acquisitions qu'on fait. Dans mes souvenirs, mon grand-père a toujours parlé de la coopérative en bien. Puis ça a toujours été une affaire de génération, d'acheter là-bas. Puis la coopérative avait une grande place en région. Puis ça, c'est un bon souvenir là, que j'ai. Moi, de mon côté, mon plus beau souvenir chez Nutrinor, je dirais que c'est la construction de la nouvelle quincaillerie qui a commencé à l'automne 2011 et qui s'est complétée en avril 2012. Je dirais que tout ce qui vient avec la construction d'un nouveau commerce, autant la construction que l'ouverture du magasin, c'était quelque chose qui va me marquer à vie. Le plus beau souvenir que j'ai de Nutrinor, c'est vraiment la proximité avec les experts conseils depuis qu'on est tout jeune à la ferme. Bien, on a tout le temps eu des représentants qui étaient quasiment devenus nos amis parce qu'on les voyait depuis longtemps. Puis c'était vraiment du monde qui était là pour nous autres. Puis répondre à nos questions, peu importe l'âge qu'on avait ou les connaissances qu'on avait. Fait que c'est vraiment eux autres qui nous ont aidés à grandir. À Pâques, on avait toujours un dîner de famille, un brunch de famille. Et puis, je me rappelle, le jambon LF, la toupie, était faite juste pour nous. Elle était longue comme ça. C'était très, 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 très gros. Elle était faite exprès pour ce repas-là. Ça l'a toujours fait partie de ma vie. Mon grand-père était coop. Où est-ce que mon père travaillait quand j'étais jeune, c'était coop. Les endroits où j'ai travaillé, ça l'a toujours été coop. Puis maintenant, ben, on est encore coop. J'étais là au 50e. Je suis là, au 70e. Puis moi, je me dis que je vais être là au 90e. Je vais être encore là. Bien, moi, ma plus belle fierté, là, c'est de voir l'évolution que Nutrinor a eue des années 40, 50, 60 à aujourd'hui. Toujours, la coopérative s'est toujours adaptée au marché. Et puis aujourd'hui, c'est une fierté de voir Nutrinor à l'ensemble de la région. C'est vraiment régional. Nutrinor est vraiment régional. On touche à tous les producteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, moi, je pense que c'est une fierté pour moi, puis c'est une fierté pour les producteurs agricoles de la région, puis c'est une fierté pour les employés, puis c'est une fierté pour le grand public, je pense, régional. Ça, moi, je pense que c'est grand dans la région. C'est pas juste gros, c'est grand, Nutrinor. Bien, quand Nutrinor va bien, quand Nutrinor rayonne, ça nous revient à nous, parce que ça nous appartient, dans le fond, la coopérative. Fait que, oui, on a une ristourne en conséquence, mais c'est aussi une fierté de dire qu'on fait partie de cette belle aventure-là, tout le monde ensemble. La distinction que Nutrinor est capable de prendre présentement, qu'on voit sur les marchés provinciaux avec toutes les associations qu'elle est capable de faire, la façon qu'elle se démarque parce que c'est unique, Nutrinor, c'est une coopérative régionale, vraiment régionale, qui appartient à ses membres, puis qui se distingue dans différents volets, qui va chercher de l'argent de d'autres secteurs pour la ramener à l'agriculture, donc la réinvestir dans la région. Je trouve que c'est une grande fierté. Je suis fier d'appartenir à la grande famille de Nutrinor quand je vois des produits ailleurs, quand on sort de la région et qu'on voit des produits Nutrinor sur les tablettes, ça fait chaud au cœur. Notre père, qui a été tout le temps membre chez Nutrinor depuis tout le temps, bien, il nous explique comment c'était dans son temps puis comment est-ce que ça a évolué, les décisions qui ont été prises. Il a tout le temps été actif. Fait que c'est sûr que de voir l'évolution, ça nous rend fiers énormément. Puis on est capable d'avoir un avenir prometteur aussi. Là. Quand tu sais le passé puis comment est-ce qu'ils ont tout le temps été proactifs, bien, c'est garant d'avenir pour nous autres. La plus grande fierté, c'est à la dernière assemblée annuelle, il y a un membre qui s'est levé, presque les larmes aux yeux, puis il a mentionné qu'il était fier de voir comment est-ce qu'il avait retrouvé le fleuron régional qui était Nutrinor dans le passé, maintenant, aujourd'hui, avec le redressement, la consolidation, puis toute la croissance qu'on fait. Pour moi, ça, c'est la plus grande fierté. Ma plus grande fierté, c'est mon garçon président. Ça, c'est indéniable, ça. Bien, la vision pour Nutrinor, je pense qu'elle est ouverte. Toutes les portes sont ouvertes.
Il s'agit de peser puis calculer comme il faut, mais les forces qui sont en même temps les faiblesses de la région puis de Nutrinor, présentement, on est capable d'en tirer profit, puis c'est pour le futur, si on continue comme ça, je pense que la coop est voie des grandes choses. Dans l'avenir, bien, je vois une coopérative qui est forte, avec des membres qui sont forts, puis qui va prospérer dans le temps, qui va être durable, un peu comme Sabrina disait. Il faut que ça soit durable pour tout le monde. Si c'est durable pour les membres, ça va être durable pour la coopérative. T'sais, on n'a pas 70 ans pour rien. Il s'est fait des fusions dans la région, mais on s'est rassemblés pour justement être encore plus fort, moi, je pense. Puis c'est juste un plus pour les membres, là. Puis ma vision d'avenir, je la vois belle en fonction d'une vision claire qu'on a de développement puis de croissance. Puis ça me motive énormément pour le futur. Qu'elle reste compétitive, qu'elle soit capable de se développer encore plus, mais qu'elle reste fidèle à ses membres aussi. Présentement, elle respecte bien ce qui est demandé par les membres. Il faut que ça continue comme ça. Nutrinor, une histoire de famille depuis 1949. Bonne fête, Nutrinor! Oui!